20e siècle. Lili ? Je vais juste faire un tour, maman, pas longtemps, je te promets. Ce n'est pas un jour pour sortir, ma chérie, il fait trop beau. Mais le médecin dit que si... Le médecin ne t'a pas donné la vie, écoute ta mère. Viens m'aider à choisir. Trop original. Contemporain. Je pourrais visiter votre serre un jour. Ce n'est pas un endroit pour les enfants. Je vais avoir 15 ans, maman. Oui, oui, bien sûr, ma chérie, bien sûr. Trop petit. Oh ! Celui-là. Il est absolument parfait. Il est parfait, non ? Il vous ira comme un gant. Ah. Que ferais-je sans vous ? Accompagnez monsieur. Lili, ça va? Désolé, je sais pas sonner. Bon, mais tu viens ou quoi? Ça fait une demi-heure que je t'attends. Je peux pas, Lyesse. Quoi? Pourquoi tu peux pas? Il y a trop de lumière pour toi dehors, c'est ça? C'est pas grave, hein, fallait me le dire. Non, c'est qu'on est occupé là. Laisse-moi entrer. Non, je peux pas. Vite fait. Non, mais on se voit demain. Demain? Demain, je pourrais sortir. Demain, oui. C'est bien que tu sois là, Lili. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vue. Voilà. Tiens, mon grand. Merci. Petite part pour Lili. J'espère que j'ai mis assez de béchamel. Ça a l'air très bon. Ah, bah au moins quelqu'un qui n'a pas peur de me faire des compliments. C'est que si je devais compter sur mes hommes... Pas besoin de te dire que je t'aime pour que tu saches que je t'aime. L'amour se passe de mots, c'est tout. C'est beau, ça. Mangez, mangez, ça va être froid. Bon appétit. Merci. Alors, Lili, quoi de neuf? Tu vas dans le même lycée qu'Lyesse en septembre? On pourra t'emmener si tu veux. Hein, on l'emmènera.
Non, c'est que l'année prochaine, je vais faire les cours à la maison. On a le droit, ça. Je suis pas sûre que ce soit très légal, non? Ben non, mais enfin, c'est pas parce que Claudie s'isole qu'elle doit faire la même chose avec toi. C'est bon, maman. Hein? Mais, écoute, on est à table, on discute. Je suis chez moi, quand même. Ne le prends pas mal, Lili. Tu es grande maintenant, on peut te parler. Ben oui. Ben, je vais avoir 15 ans. Ben... voilà, à 15 ans, on n'a pas du tout envie de rester enfermé chez soi. Moi, à 15 ans... Tu as le droit de dire ce que tu veux vraiment. Ce que tu veux vraiment. Maman, t'as déjà été amoureuse? Ne dis pas de bêtises, pourquoi faire? Ben, je sais pas, moi. Pour être heureuse. Tu devais bien être amoureuse de papa avant qu'il parte. Les hommes, il ne faut rien leur donner de toi, jamais. Plus tu leur montres qui tu es, plus ils l'utilisent pour te faire du mal. Bah, peut-être qu'ils sont pas tous comme ça. Évidemment. Jusqu'à ce que tu te rends compte qu'ils sont pires. Te laisse pas berner, Lili. Mais moi, je me dis qu'il y a des choses qu'on devrait pas essayer de contrôler. Tu crois pas au destin? Oh, si, si. C'est bien pour ça que je ne veux pas que tu te le prennes en pleine figure. Elle est morte? Non, elle dort. Il y a un truc dans l'eau qui l'aide à garder une belle peau. Allez. Putain. Ça a changé ici. Mais Lyesse, qu'est-ce que tu fais? Lyesse, non. Lyesse. Lyesse, on peut pas rester ici. Lyesse, s'il te plaît. S'il te plaît, on peut vraiment pas rester ici. Une sorte de Frankenstein, en fait. Elle préfère qu'on dise chirurgien. Putain, c'est mortel. Tu trouves? Vas-y, Lili. Empire-moi. À cet endroit. J'ai peur que tu m'aimes plus en voyant tout ça. Lili ! Vite, faut qu'on y aille. Non, maman, ça va ?
c'est appelé le mur de l'amour. Ça te plaît? J'ai jamais vu autant de photos de moi, en fait. Ça fait des mois que je travaille dessus. Tiens, c'est pour toi. Vas-y, ouvre-le. C'est moi qui l'ai fait. Beau et tout, mais faut pas que tu te fasses de film, tu vois. Non, mais... Yes, non. Non, Yes, je fais tout ce que tu veux. C'est ma grosse, si ça te plaît pas. Non, Lili, je t'aime beaucoup, je te jure, mais pas comme ça. Non, pars pas. Lili, lâche-moi. Lili, lâche-moi. Non, Lili, putain, tu peux pas me forcer. Il respire. Oui. Bon alors, il est juste assommé, c'est pas une tragédie. Mais je comprends pas, maman. Il m'aime plus. Mais je comprends pas pourquoi. Il n'y a rien à comprendre. Les hommes n'ont pas de cœur, je t'avais prévenu. Ben voilà. Enfin, Lili, ça ne va pas. Qui t'a permis? Tu vois bien qu'il en a un. Tout bleu, super. Pervers, narcissique. Handicapé du sentiment à tous les coups. Tu lui remettras ce cœur tout pourri. Et tu m'arranges tout, sinon tu vas voir, sinon ma chérie. Quoi? Tu vas m'enfermer. Pardon? Lili, tu vas dans ta chambre. Mais arrête de me prendre pour une gamine. Tu m'avais donné le droit d'être comme tout le monde. Yes, ça aurait pas eu peur de moi. Tout ça, c'est de ta faute. Ses parents vont s'inquiéter. Mais depuis quand on a quelque chose à foutre de ses parents? Il rentrera pas chez lui, t'entends? Je dois comprendre comment ça marche, ce cœur. Touche pas!
Va chez le jardinier. Quoi? Va chez le jardinier, je te dis. Tu trouveras ce que tu cherches. Et profites-en pour me prendre une bouche numéro 5, je te prie. A besoin d'une bouche numéro 5. J'arrive. Attends. Ils sont beaux, hein? Je peux la voir. Pourquoi faire? Un cœur, ça se prend pas à la légère. Maman est d'accord. Vous pouvez lui demander si vous ne me croyez pas. Fais attention. C'est très fragile. Ça a besoin beaucoup de douceur, de la lumière. Et ça doit se sentir libre.
Mon cadeau. Tu l'as mis où? Tu le veux? Bah ouais. Mais tu disais que tu... Belle comme un cœur. Et vous, Claudie, vous êtes magnifique. Je sais. Je peux emmener Lili déjeuner chez moi? On va à la fête foraine après. À la fête foraine? Aucun problème. J'espère que vous avez le cœur bien accroché, jeune homme. Merci. On y va. Éclatez-vous bien. T'aurais pu prévenir quand même. Hein, c'était la moindre des choses de passer un coup de fil à ta mère ou à moi. Non? J'ai pas pensé. Il n'y a pas pensé. Pas pensé. Non, il n'y a pas pensé. Ça lui fait rien. Et tu t'es battu? Pourquoi t'es coupé là? Tu t'es battu? Non, tu t'es pas battu. Vous avez pas pris de drogue au moins? La drogue? Non. Attends, attends. Tiens, serre-toi. Allez, vite. Allez, Lia, serre-toi, mange. J'ai pas faim. Mais mange, mange un peu ou je... Et qu'est-ce que t'as à sourire bêtement comme ça? Tu peux m'expliquer? C'est Lili. Listen to my plea. Please don't stop loving me. You're in my dreams nightly. Don't take my love lightly. Begging on bended knees. Please don't stop loving me. Oh, when I lay me down to sleep, I pray the Lord your love I'll keep.
if I should die before I wake. I'll come back for you, that's no mistake. Oh, I'll love you forever. Can't forget you ever. Our love was meant to be. Please don't stop.